Salut les gars, j'espère que vous allez bien, on va voir ça très bien. Donc voilà, vous avez vu un peu le trading live où j'ai pris la position, etc. ici, qui nous a fait un RR de... c'est quoi cette ligne ? Qui nous a fait un RR de 10, d'accord ? Ça nous a fait un RR de 10 ici, donc voilà, c'est pas négligeable, un RR de 10, on prend. Le RR de 10, on prend, donc voilà, j'ai fait un RR de 10 ici. Après, malheureusement, par la suite, comme on a pu le voir sur le trading live, on s'est fait BE par la suite, malheureusement. Et après le prix, vous savez ce qu'il a fait après le prix, le pire c'est qu'il est parti, il est parti, il est parti. Donc en réalité, on aurait pu même prendre un plus gros RR. Mais bon, ça c'est pas grave, d'accord, c'est pas grave. On s'est fait BE, on a pris quand même d'hier, d'accord, c'est pas négligeable, il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent d'hier. Donc c'est très 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 bien. Donc là, je vous fais un peu l'explication. Bah voilà, le live trading, vous avez pu voir la position, etc. en direct. Maintenant, je vais vous faire l'explication de ce trade-là, parce que c'est bien beau de vous montrer que le trade, etc. voilà, comment je l'ai pris et tout. Mais c'est bien beau aussi de vous expliquer comment j'ai fait. Comment j'ai fait, quoi. Donc, dans un premier temps, en fait, ce qui s'était passé, c'est que si on vient... D'ailleurs, ils ont fait une mise à jour sur TradingView. Il n'y avait pas tout ça avant, je viens de le voir. Je crois que c'était qu'aujourd'hui, mais ce n'était pas comme ça avant. Ils ont fait une petite mise à jour, là. C'est plus propre, c'est plus beau. Je ne sais pas si vous l'avez, mais il y a une petite mise à jour. Ça fait plaisir. Donc ici, en fait, dans un premier temps, donc on ouvre ici, d'accord. Donc c'était lundi, la position était de lundi. On ouvre ici. Et qu'est-ce qui se passe? On a un énorme gap. On a un énorme gap. Donc en vrai, on a un énorme imbalance. D'accord, on a un énorme imbalance, on a un énorme gap. Et ce qu'on sait, nous, ce qu'on sait, c'est qu'un gap, quand on a un énorme gap comme ça, ou une ouverture du marché, à une ouverture du marché, le prix va toujours venir combler ce gap-là. D'accord, il va venir le combler au minimum à 70%. Au minimum, il doit le combler à 60-70%. Et dans tous les cas, un jour, il va le combler entièrement. Mais dans tous les cas, il va le combler. Il faut qu'il comble. Donc là, en fait, ici, on a ce qu'on appelle une liquidité void, comme je vous avais expliqué la précédente vidéo que je vous avais expliqué. Une liquidité void, d'accord ? Parce que là, on est sur le marché de FXM, mais si on va sur le marché Honda, ce que je conseille aux gens, c'est d'aller sur le Honda, d'accord ? Parce que sur le Honda, vous n'aurez pas des gaps aussi élevés comme ça. Si je vais sur le Honda, ici je suis sur le Honda, je suis en quelle unité de temps? Une minute. Voilà, vous voyez ici sur le Honda, on voit qu'ici on a une liquidité void. Vous voyez, boum, grosse bougie. Là on a une liquidité void qui est ici, d'accord. C'est pour ça que j'aime bien le Honda, d'accord. Parce que le Honda, au moins ça ne fait pas des gaps, ça nous fait des bougies. Mais bon, enfin bref, c'est pas grave. Donc voilà, donc ici on a une liquidité void qui est là. Donc on sait qu'il y a une grosse liquidité void, gros gap. Donc le prix, forcément, il va être aimanté. Par ça, il va être aimanté par ça, il va se faire aimanter par ça, ce qui est logique. D'accord, c'est quelque chose de totalement logique, il va se faire aimanter, il va être aimanté par cela. Donc le but, ça serait de trouver un achat dans la direction comme target, avoir ici cette liquidité void comme target. D'accord, c'est pour ça que j'avais visé comme target ici, moi. D'accord, tout simplement. Mais bon, après, on s'est fait BE, mais c'est pas grave, on a validé un RR de 10. Donc c'est ça que je visais, moi. Je visais ça dans un premier temps. Je visais tout simplement ça. Parce que c'est un aimant. On a un gros gap, donc le prix va forcément le combler. Il doit le combler, ça, on l'a tous appris. Quand on a l'ouverture du marché sur le Dow Jones ou sur le DAX et qu'on a un gap sur le Dow Jones ou sur le GAP, on a un gap sur le Dow Jones ou sur le DAX. Donc
Et bien, tout simplement, le prix, la première chose qu'il va venir faire, c'est combler ce gap-là et ensuite repartir. D'accord? Donc ici, vous avez un gap. Je ne sais pas, sur le Dow Jones ou peu importe. D'ailleurs, j'ai plus. Il faudrait que je le mette. Voilà. Là. On a, je sais pas, le prix sur le Dow Jones, boum, il ouvre, tac, ben là, le prix l'ouvre, il va venir combler ce gap-là et ensuite repartir. Ce qu'on appelle une liquidité void. Et bien ici, c'est la même chose. On a ce gros trou-là sur EURUSD, ben forcément, il va venir le combler et ensuite repartir. Liquidité void, c'est le principe de la liquidité void. Ce que je vous ai expliqué. Ce que je vous ai expliqué dans une précédente vidéo, d'accord? Ceux qui ne l'ont pas vu, allez la voir. Mais voilà, on est liquidité void ici. Donc c'est parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver un achat. On va essayer de trouver un achat parce que le prix est aimanté ici vers ça. Donc il est aimanté vers la hausse. Donc ça ne sert à rien de vendre ici. Ça n'a aucun sens de chercher à vendre. Aucun sens. Donc tous ceux qui ont vendu lundi sur EURUSD, je ne sais pas pourquoi vous avez vendu. Alors là, il faudra m'expliquer. Parce que le prix, il voulait que monter. Enfin, c'était sûr qu'il allait monter. Enfin bon. Donc ici, ce qu'on fait, c'est que moi, j'avais vu quoi? J'avais vu qu'ici, alors si je vends une minute, j'avais vu qu'ici, on rentrait ici. Donc là, on était dans la session de Francfort. Bon, la session de Francfort, on est venu prendre la liquidité de l'Asian High. Donc parfait. Ensuite, ce que je voyais ici, on rentre dans la kill zone. Et là, je vois qu'en rentrant dans la kill zone, on nous crée une accumulation. D'accord? On se rappelle du principe AMD. La précédente vidéo que je vous ai expliquée, où la vidéo elle s'appelle le concept le plus important, qui est l'AMD, le MAMD. Donc là, on a une phase de AMD. D'accord? Il faut savoir que moi, je prends mes trades qu'en AMD. Donc là, on a ce qu'on appelle une phase de AMD. Donc là, on voit qu'on a une accumulation. Des equals ici, des equals en dessous, equal high, equal low. Donc on sait que le prix ici est en train d'accumuler et est en train de créer de l'argent. D'accord? Créer de l'argent tout simplement ici, créer de l'argent pour ensuite faire une impulsion vers la hausse avec tout l'argent qu'il aura récupéré ici et tous les lots. Pour faire une impulsion vers la hausse et combler ce gros trou qu'il y a ici, ce gros déséquilibre créé par le marché. Donc là, il accumule de l'argent. Une fois qu'on sort de cette accumulation ici, on rentre dans la phase qu'on appelle de manipulation. Donc là, on voit qu'on sort de cette phase d'accumulation, on prend les équals, on rentre dans la phase de manipulation. Donc là, maintenant, c'est à partir de là qu'on va commencer à s'intéresser au marché. Dès qu'il va sortir de la phase d'accumulation, qui rentre dans la phase de manipulation, c'est là où on va chercher un setup pour pouvoir se placer et profiter de toute la distribution qu'il va y avoir par la suite. D'accord? Donc là, on va essayer de comprendre la manipulation. Et moi, ce que j'ai compris ici, c'est que moi, j'ai eu ma stratégie, d'accord? Donc là, si vous voulez le comprendre, vous voulez le comprendre tout simplement. Donc là, par exemple, imaginons, bah là, vous avez vu un breaker block. On voit qu'ici, on casse ici, d'accord? Donc là, on a un breaker block. Vous tracez le PY du breaker block que je vous ai expliqué, tac. Et là, tu peux prendre un trade ici. Donc, tu prends un trade ici. En même temps, on voit qu'ici, on trace l'OTE. En traçant l'OTE, le prix revient pile poil sur la zone de l'OTE, tac, tac, tac. Et là, tu prends ton trade. Boum, tu es dans la kill zone, boum. Et là, tu valides même un RR qui est largement meilleur que le mien. D'accord? Parce que moi, ce n'est pas le PY du breaker block que j'utilise, c'est quelque chose d'autre. Mais tu vois que tu as un meilleur trade que moi ici. Tu as un meilleur trade que moi. Et là, ce n'était pas un trade qui était forcément très compliqué. Et pourquoi tu prends ce breaker block-là? Parce que c'est ce breaker block-là qui fait l'impulsion ici, qui vient prendre les liquidités, qui vient sortir de l'accumulation. Ce n'est pas cette impulsion-là qui va sortir de l'accumulation. C'est cette impulsion-là qui vient me sortir de l'accumulation. Donc là, c'était. Très 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 c'était très abordable en fait de prendre le POI de ce breaker block là et de se placer dessus. Très abordable. En plus de ça, tu avais l'OTE. Tu avais l'OTE, il revient dedans, donc c'est parfait. C'est parfait. Et regarde après l'accélération du marché qu'il y a eu. Regarde comment le marché a accéléré. Si tu me dis qu'ici, ce ne sont pas des institutions, frérot, là, c'est pas un ophtalmo qu'il te faut. Là, il faut carrément mettre de l'eau de Javel dans tes yeux, je sais pas. Il faut faire quelque chose. Mais là, on voit très clairement qu'ils ont accumulé de l'argent. Tac, 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 ils accumulent d'argent. Là, ils sortent ici, ils rentrent dans la phase de manipulation, et là, ils se placent. Boum, boum. Avec tous les lots qu'ils ont récupérés, ils font une grosse accélération de marché. C'est un truc totalement logique. C'est logique, les gars. On accumule de l'argent, on rentre dans la manipulation ici pour sortir tous les gens ici, d'accord, pour libérer l'argent. Et ensuite, ici, on fait la phase d'accélération, qui est la distribution, grâce à tout l'argent qu'on a récupéré et tous les lots qu'on a récupérés. C'est pas facile. Facile à comprendre, les gars, c'est facile à comprendre, c'est de la logique. Il n'y a rien de farfelu ici, de je sais pas quoi, c'est juste de la logique. La logique du marché. On consolide, ensuite on fait une manipulation, et ensuite on fait une expansion. Accumulation, manipulation, distribution. Voilà, mes trades, je les prends que comme ça, parce que c'est la logique du marché. C'est la logique du marché. Le marché ne fonctionnera que comme ça. Il fonctionnera toujours, ce qu'on appelle en offre et demande. Donc tout simplement, il va accumuler, il va manipuler, il va distribuer. C'est tout, les gars, c'est toujours comme ça. Il n'y a pas de secret. Quand je vous dis que le marché, c'est de l'AMD, du MAMD, il fera toujours ça. Et si vous comprenez ce principe, ce concept-là, ce principe de liquidité, donc en fait, ça, c'est ce qu'on appelle un cycle. On peut appeler ça des cycles de liquidité. Donc là, on a un cycle de liquidité.
Hop, le A, le M et le D. Là, on a un cycle de liquidité qui s'est fini. Là, il s'est fini, le cycle de liquidité. On a accumulé, on a manipulé, on a distribué. C'est ce qu'on appelle des cycles de liquidité. Donc, un AMD, c'est un cycle de liquidité. C'est pas très, forcément très compliqué à comprendre, les gars. Il faut juste comprendre le AMD, les phases. On accumule, on manipule, on distribue. Et ensuite, derrière, il faut comprendre tout ce qu'il y a des sessions, etc., etc. D'accord? Donc, on trade uniquement quand on vient prendre des liquidités. D'accord? Là, on prend les liquidités externes de la session asiatique. Donc, voilà, enfin bref, c'est toujours comme ça, les gars. D'accord? Et même si on le prend d'un point de vue encore plus gros, là, on peut voir ici qu'on a un A, accumulation ici de la session asiatique. Là, on rentre dans une phase de manipulation. Et ensuite, on a une phase de distribution. Voyez, on peut même le prendre en plus large. Mais bon. C'est toujours comme ça, les gars. Accumulation, manipulation, distribution. Donc voilà, j'espère en tout cas ce petit live trading avec l'explication du trade vous aura plu, que vous avez appris quelque chose. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les gars. Allez, tchuss.